Xavier Bertrand, en visite ce midi à Marcq-en-Barœul sur le site de Domios. Le député de l'Aisne était accompagné de Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, pour découvrir un site dédié au sport, au cardio-training, à la danse, à la musculation ou encore au sport de combat. Domios a ouvert ses portes en 2008. Aujourd'hui, 250 collaborateurs travaillent pour cette marque en collaboration avec les équipes recherche et développement de Decathlon. Long. Plus de 1500 références produits sont recensées dans la boutique qui jouxte le club de sport. Un exemple de réussite 100% nordiste qu'a souhaité saluer Xavier Bertrand, candidat au régional et qui a choisi le thème de l'emploi pour sa campagne. Je vous propose de l'écouter au micro de Xavier Silly. Culture et sport, est-ce que ça donne du travail? Évidemment, évidemment. Il n'y a pas seulement que les bénévoles, et Dieu sait si on a besoin des bénévoles, il y a aussi des salariés dans ces clubs sportifs. Le club sportif, il va proposer une animation pour ses adhérents. Mais quand il va organiser une grande manifestation régionale, nationale, internationale, ça va faire venir du monde, qui ne vont pas tous prendre un verre à la buvette du club, qui vont aussi aller alentour. Donc tout ça me crée de l'activité, donne du travail. Donc il n'est pas question de faire des économies sur le dos de la culture et du sport. J'ai besoin de la culture et du sport pour donner du travail, créer de l'activité. Je vais continuer dans cette direction. Ce que je fais chez moi dans ma ville de Saint-Quentin, où je crois vraiment à la culture et au sport, je vais le faire aussi dans la grande région.